Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Overwatch. Nous sommes toujours avec Shimizu et Foudre Noire. Ils sont jeunes. Faites attention, il y a une phara. Oh! T'es sûr, Pharah, là? Merde. Elle me saoule, cette Pharah. Ils ont plus de heal. Marcus, il fait le taf. Merde. Ah je peux pas là. Là je peux pas, t'es trop près. Pharah t'es trop près, je pouvais pas. Ah. Et puis ça me déconcentre. Ça me déconcentre. Ouais, ça me déconcentre. Ça va être compliqué cette histoire encore. Désormais, 3, nous sommes tous 2, des soldats. 1. Place au combat. Putain. Ah bah bien. Ah putain. Ah la fuite. Vous m'aidez pas des masses hein. Encore avoir une super compo. Une journée idéale pour... Eh ben reste avec ta tresseur, gamin. Putain, fais chier. Fais chier. Remarque, il est bon avec sa tresseur, donc bon. J'ai rien à dire. Hein. Ah bah je dis ça. J'ai manqué une occasion de me taire. Ah il voulait l'avoir à la crosse. Bon c'est pas grave. C'était mieux, effectivement. Ok, bon. Anzo. Ça va faire mal. Ça va faire atrocement mal. Non mais vu que leur Ana est pas hyper méga dynamique, j'ai bien envie de voir si je peux faire quelque chose à propos. À propos d'Ana. Je les connais pas au passage, hein. Me demandez pas si je les connais pas. C'est des gens au pif. Hein. Marqué par le dragon. J'ai pas de chiffre toujours. Regardez à travers les yeux du dragon. Merde. Il
font pas ce que je veux. Ce que je veux. Là. Je suis mauvais. J'ai plus personne. Allez, fini les gens. Bon bah tant pis, c'est une défaite. C'est une défaite. Voilà, bon c'est pas grave. Bah salut l'équipe hein. Salut, 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 salut. Blah. Me réinvitez pas, ça vaut pas la peine. Salut. Hop. Bon, bah on va revoir si on trouve mieux hein. Donc oui, on a vu pour Winston, Tracer, faudrait vraiment que j'apprenne à la jouer aussi Tracer. Mais déjà j'ai envie de jouer un petit peu Hanzo, j'ai envie d'apprendre à jouer Hanzo parce qu'Hanzo c'est de la pifade. Et Hanzo me fait rager, du coup j'aimerais pouvoir faire rager les autres. C'est une belle vengeance, une douce vengeance. Donc j'aimerais bien apprendre à, enfin pas apprendre mais passer plus de temps sur Hanzo. Non non mais si je me suis barré c'est qu'il y avait une raison. Et du coup ouais non j'aimerais apprendre à le jouer un petit peu. Passer plus de temps dessus. Ça va être compliqué. Il va y avoir de longs moments où je vais appuyer seulement sur le bouton E. Mais ce n'est pas grave. D'ailleurs, Hanzo, qu'est-ce que tu as comme, comme emote? Pardon. Voilà. Ah oui, t'as le même emote que... C'est pas ce que je veux faire. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. J'ai peut-être une belle... Falloir que je vois pour une belle skin d'Hanzo. Oh putain, j'arrive pas à croire que j'ai dit ça. Pandy, Tareven, Grind, Godreal, Godreal, God is real. Bon, vous voulez quoi? Ange, d'accord. Oh, ok. Oh, Grace, Amazing Grace. Je sais pas pourquoi je pense à ça. C'est fou, j'ai dans la tête. On va aller taper des gens. Et on va bien voir si il nous le rend. Deux. Deux. On a peur de m'affronter! Ok. Wouah! Joli réflexe! Putain, il y a du réflexe et il y avait rien derrière! Bon, on n'a plus qu'à attendre que. Que rien. Faut dire, j'ai vu qu'ils étaient pas là. J'aurais pas dû charger. Mais bon. Bon bah c'est pas la peine. J'ai pas envie. Donc ce sera Hanzo. Fuck you bitches. Ce sera Hanzo du train. On va faire du train. Du train. Oh bien joué. Mais pourquoi je suis tout seul putain? Comment qu'on dit Je crois que c'est ça. Bravo, merci. Crac, propos injurieux. Bim. Bah tiens.
Chaque mort est source d'honneur. Deux, un. L'honneur. Place au combat. Point décisif. Le dragon s'agite en. Équipier éliminé. Dégâts augmentés. Ah putain! Putain, je suis tout seul. Hein. Voilà! Voilà, merci! En fait, tu peux pas. Même en parlant aux gens, les gens t'agressent. C'est ça qui est génial. C'est, on arrive à un point où. Ce serait vraiment temps qu'on puisse faire quelque chose sur les gens qui sont toxiques à ce point-là. C'est vraiment débile. Même une personne qui joue pas forcément correct. Moi, je trouve, franchement, même c'est bien s'ils veulent attendre dans leur coin, sur leur petit pont, faire leur truc. D'accord! Mais, enfin, qu'ils attendent pas de ça pour crever au bout de 10 secondes, quoi. Après, ils me disent que c'est de ma faute. Bah oui, je suis mauvais. Bah, enfin bon, t'es pas meilleur. Hein. T'es pas meilleur. Bah, tiens, allons voir tes stats. Rigolons 2 secondes. Consulter la carrière. Voilà. Bon. Soldat 76, 2 heures. T'as plus de codes que moi, mais t'as joué que 12 heures de jeu. D'accord, t'as fait que 26 parties. Donc, ouais, d'accord. T'es juste bien placé. T'as juste été très très bien placé par la cotation. 13 heures de jeu, d'accord. C'est pas grave. Est-ce que je peux ne pas retomber sur eux? Merci. Ça me fait chier. Et puis tiens, je sais pas si ça marche, mais voilà. À partir du moment où on dit qu'un pays, enfin qu'une nationalité est une comme une insulte, je préfère encore le faire une deuxième fois. C'est pas grave. C'est quand même triste d'en arriver là. Hein. Il y en a qui me disent, bah tu devrais arrêter de jouer si tu gueules. Mais je gueule pas par rapport au jeu là pour le moment, je gueule par rapport à la communauté qui a chié. C'est comme LOL quoi, limite parfois. Ils ne passeront pas. Où sont mes copains? Oh mais arrêtez avec votre pont à la con. Ils sont suicidés là ou quoi? Ah ils sont suicidés l'un l'autre. De l'armure. Oh, merci. Ok merci. Je sais pas si elle a une skin visuelle l'armure de. Ça c'est étrange. L'ennemi a été dévoilé.
Voilà. Bonjour. C'était histoire d'être sûr. Hein. C'était surtout histoire d'être sûr. Enfin bon. Ils sont pas si mauvais parce qu'il n'y a pas de heal dans l'équipe. Et ils ont survécu jusqu'au bout. En tout cas, Ray a survécu jusqu'au bout. Donc ça, c'est pas mal. Ça, c'est intéressant. Nous sommes dans l'épisode 15 minutes 30 à peu près. Donc moins quelques secondes pour vous, hein. N'inquiétez pas. C'est normal. Ou plus peut-être. Plus, plus. Ça dépend du jeu, mais plus. Merde. Ray, que fais-tu? Qu'est-ce qu'il fait? Je suis pas aidé, hein. Je gèle. Hop. Fais le mur. Ok. Healing. She might have resurrected. Shield base. I saw them coming. Told you better than that. Score. Préparez-vous au combat. Choisissez votre héros. Notre monde vaut la peine qu'on se batte pour lui. 1. Place au combat. Il y a comme un mur entre nous. Les gens vous font de ces trucs, franchement, c'est incroyable. Le mec, il est même pas fait participer à la game, mais il vous fait chier. Ah, tu les fais tes kills ou pas, espèce d'abruti? D'accord, il a juste attendu. Ok. Venez vous faire soigner. 2. Préparez-vous au combat. Choisissez votre héros. J'ai envie de m'amuser un petit peu, je vais prendre Pharah. On va bien voir. J'ai envie de m'amuser. J'ai vraiment pas envie de jouer avec eux, là, pour le coup. Je comprends pas comment les gens peuvent être agressifs à ce point-là. Ils se permettent de critiquer quelqu'un qui fait plus de choses qu'eux dans la partie. Quand ils, eux ne jouent même pas du tout. C'est... J'aimerais comprendre. Enfin, en même temps, tu me diras, c'est des Russes. Pour eux, tout le monde joue moins bien qu'eux. Je suis avec toi.
Merde, je suis mauvais. Bah, elle est où la hanche? Elle est où la hanche? Ils sont où mes potes? Yo, pas de route, bled. Oh bah, hop. Voilà. Préparez-vous au combat. Choisissez votre héros. Bastion. Bastion. C'est pas la peine. Je préfère encore me rigoler. Chers amis, que de me faire emmerder par des gens qui savent pas jouer et qui te permettent de t'insulter après tout. Je vois pas pourquoi. Par combien que j'ai plus personne derrière moi? Ok, où sont-ils? Dommage. Bon, bah au moins on a une victoire. Hop, on va ouvrir notre coffre, chers amis, et je pense qu'on va cesser là parce que je suis plus du tout dans le mood. Honnêtement, je suis plus du tout dans le mood. J'avais envie de faire des choses aujourd'hui et j'ai pas pu les faire parce que les gens s'amusent à être violents, quoi. C'est débile. C'est absolument débile. Ah bah je sais que j'aurai des trucs en trop, vous avez vu l'argent qui a augmenté? J'ai su que ça allait être une mauvaise boîte. J'ai su à l'avance. Eh bah écoutez chers amis, du coup, nous on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures, en espérant que les prochains épisodes seront plus fun à jouer. Voilà, salut.